Attention. Demanche Pirate, le 32-16. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes passé par le standard et ce qui fait réagir ce matin, c'est cette annonce du gouvernement qui va imposer un nouveau dispositif pour bloquer l'accès aux sites porno aux mineurs. Oui, vous l'avez dit avec une voix suave. Bah, je ne savais plus comment le dire. C'est la merde de fatiguer. Julien, 15 ans, nous a contactés pour témoigner. Il était temps. Nous, les ados, on peut voir des images traumatisantes sur ce genre de site. Moi, j'ai vu Michel Houellebecq tout nu. Je suis actuellement suivi par un psychologue. Mes parents ne m'ont pas assez protégé. À ce sujet, Kevin Pélissard, le fils du couple Pélissard de famille le XXL. Le Pélissard de fameux, la famille famille. Il s'est aussi lancé dans le porno amateur. Bah, leur fils nous a écrit. Chez nous aussi, on a un problème de contrôle parental. C'est nos parents qui se contrôlent plus. Alors c'est bien de bloquer l'accès au site, mais ça nous sert à rien. Avec ce qu'on a vu hier soir, on est vaccinés à vie de toute façon. Est-ce que vous pourriez bloquer l'accès à nos parents par contre? Et enfin, le dispositif serait une attestation numérique pour certifier l'âge de l'internaute. Et Jean Castex nous a laissé un message. Une attestation numérique, quelle bonne idée! Et Madame de Malherbe, je suis disponible pour la concevoir. Les parents des jeunes entre 8 et 18 ans téléchargeront un formulaire sur le site intérieur.gouv.fr à retourner par courrier à votre centre des impôts qui délivrera un QR code à scanner avec l'application Toussaint-Tinichon. Ce code permettra d'aller dans un sec-se-shop homologué par Gérald Darmanin entre 8h et 14h pour retirer une clé USB de forme phallique qui bloquera l'accès après reconnaissance faciale par webcam au site suivant. xvideo.com, pornetub, mamelon.fr, chaudasse-allemande.org, charlemagnien.com, papy-mamie-son-coquin. De toute façon, le temps que vous compreniez mon système, vos enfants seront majeurs avec Castex, no sexe. Et bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Arnaud. Rendez-vous à 8h20.